Oui, clairement, c'est un bon point de prix. C'est un match difficile aujourd'hui, avec la chaleur, avec l'expulsion. Voilà, on a su faire preuve de caractère. Et on doit continuer avec cet état d'esprit-là, pardon, et essayer de se qualifier pour les phases finales. Ça a été dur physiquement, il faisait très chaud. C'est vrai qu'il faisait chaud, le terrain était sec. Puis on fait avec, c'est comme ça, on sait qu'on est en Afrique, et il y a de la chaleur, on fait avec, on le sait déjà, et nous l'objectif c'est de tout donner. Quoi. Quand vous êtes retrouvé à 10 contre 11, vous vous êtes dit « ça va être dur ». Bien sûr, on s'est dit « ça va être dur », comme tous les matchs, même à 11, ça allait être dur quand même. Mais voilà, on a su faire preuve de caractère, il y a un bon état d'esprit, et on va continuer sur cette ligne-là. La solidarité qui vous fera vous qualifier J'espère, parce qu'avoir un groupe solidaire c'est très important. On va être solidaire jusqu'au bout, on va se battre jusqu'au bout et essayer de prendre match par match et point par point. Est-ce que toutes ces absences n'ont pas un peu déstabilisé le moral, toutes ces absences-là des cadres? Non, je pense pas que ça a déstabilisé le groupe. Je pense que voilà, si les 25 sont là, c'est que c'est tous des bons joueurs. Après, le coach fait ses choix, on fait avec. Et je pense pas que ça a déstabilisé le groupe plus que ça. En fait. Franchement, bien sûr, on aurait voulu gagner le match. Maintenant, c'est un bon point pris. On va pas cracher sur un nul. Maintenant, on est focus sur le prochain match et on espère qu'on aura la victoire. Vous comment vous sentiez en disputant les premières minutes en CAN? Franchement, c'est pas comme l'Europe. C'est dur, mais on est là pour ça et on a fait le job. Est-ce que vous avez des regrets? Des regrets, non. Je pense qu'on a réussi à faire le match qu'il fallait. Je pense qu'on aurait pu gagner le match. Mais franchement, c'est un très bon point pris quand même. Et maintenant, on est focus sur le prochain match. Hein. Dans ce groupe-là, les points vont être très chers. Ouais, très très chers. Franchement, un point pris là contre le Cameroun, vraiment, c'est un très très bon point. Maintenant, il faut gagner le prochain match face à la Gambie. Hein. On est focus sur ça. Là. Le groupe est fort dans sa tête. Vous vous sentez soudé, vous vous sentez tourné vers le même objectif. On est tous le même état d'esprit. On a bien bossé en prépa. Et maintenant, là, il faut conclure ça avec des bons résultats. Merci beaucoup. Merci.